Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. D'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU, Léon Adam Kakou Wadja est officiellement devenu ministre des Affaires étrangères. La passation de pouvoir avec sa prédécesseure Kondia Camara s'est faite le jeudi 19 octobre 2023. La Côte d'Ivoire rayonne de nouveau à l'international en la personne de Karine Estelle Koné. La doctorante de 28 ans est en effet l'une des 35 lauréates du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2023. Et en fin d'édition, coup de projecteur sur la série Niabla, un thriller de 8 épisodes nous plongeant dans un univers sombre et n'hésitant pas à relater les tares de la société. Léon Adam Kakou Wadja a officiellement pris fonction. Le nouveau ministre en charge des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur reçoit les dossiers des mains de l'ancienne ministre Kondia Camara, actuelle présidente du Sénat. Je suis heureuse de constater que la maison est en de bonnes mains. Le grand et prestigieux département des Affaires étrangères est désormais dirigé par un homme qui est un pur produit de la maison. Je voudrais donc solennellement et sincèrement féliciter Monsieur le ministre pour sa brillante nomination. Le nouveau titulaire du ministère se satisfait des tâches accomplies par celle qu'il appelle affectueusement une amie et une sœur. Kakou Wadja Léon Adam est confiant face aux défis à relever. J'associe à ces remerciements Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Monsieur Robert Begré-Mambé, à qui je voudrais dire toute ma disponibilité à contribuer au succès de la mission qu'il a plu au chef de l'État de lui confier. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie m'offre également l'agréable occasion d'exprimer mon admiration sincère à Madame la ministre d'État, aujourd'hui présidente du Sénat, pour ses inlassables efforts en faveur du rayonnement de la diplomatie ivoirienne. Le nouveau ministre des Affaires étrangères a occupé de nombreux postes de responsabilité, non des moindres, à l'international. Le diplomate chevronné est ambassadeur, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. Le monde a besoin de science, les sciences ont besoin de femmes. Parmi 618 femmes en lice, Karine Estelle Koné, doctorante en sciences environnementales, écotoxicologie, écologie et biologie cellulaire, a été distinguée. C'est l'une des 35 lauréates du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2023. Recevoir ce prix-là, déjà, qui est un grand honneur, et de voir que mon pays est représenté avec la présence de son Excellence, Monsieur Maurice Bandaman, ça me fait énormément plaisir. Et j'espère pouvoir impacter en fait les jeunes filles en Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent faire de la recherche scientifique. Le 20 août 2006, le Provo Koala, affrété par la société Trafigura, déversait des centaines de mètres cubes de déchets hautement toxiques dans différentes décharges d'Abidjan. Un véritable choc pour la jeune Karine Estelle, alors âgée de 11 ans, qui a donc décidé d'étudier toutes les substances toxiques sur les organismes dans l'environnement. Une détermination qui fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Bravo à Miss Koné et nous souhaitons demain de devenir plus Nobel, puisque parmi les dames qui ont eu ce prix, certaines sont devenues plus Nobel. Donc, nous espérons que notre jeune sœur va continuer avec ce prix qui vient l'encourager. Bien plus qu'une récompense, le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2023 est accompagné d'une dotation de 15 000 à 20 000 euros, soit plus de 13 millions de francs CFA. Le Lions Club Abidjan Akoben est le nouveau-né des clubs de bienfaisance en Côte d'Ivoire. Ce club ambitionne d'enrichir la sphère du Lions Club. Les 29 membres qui le composent ont été officiellement présentés le samedi 14 octobre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. La sénatrice Mariam Dao Gabala en est la présidente fondatrice. L'un des projets phares de ce club est la lutte contre le cancer infantile. Il y a un cancer qui est pernicieux et qui est douloureux pour nous en tant que femmes et en tant que mères, c'est le cancer de l'enfant. Et donc, mon premier chantier, ça a été de soutenir la réhabilitation du centre d'oncologie du CHU de Trècheville. Et donc, pour ça, nous avons fait un projet. C'est d'ailleurs pour cela que nous lançons l'appel aujourd'hui, pour avoir des fonds, pour soulager les parents. La charte du club a été remise par Daniel Sampa, gouverneur du district 403 A2 du Lions Club International. Il a saisi l'occasion pour inviter les membres à ne jamais baisser les bras. Le
Oui, c'est il porte cette belle cérémonie que nous avons pu organiser en juillet. Effectivement, porte ses fruits et un des fruits, eh bien, c'est le club que nous, que nous célébrons ce soir. Mais enfin, il y a encore 4 autres clubs qui ont été créés depuis juillet et qui nous permettent tout simplement de pouvoir apporter encore plus de bonheur autour de nous, parce que tous ces clubs viennent renforcer l'effectif des Lions pour pouvoir servir les communautés défavorisées qui sont particulièrement ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter Mariam Daoud-Gabala et toutes ces grandes dames, toutes ces femmes à tous les niveaux de la société, politique, entrepreneuriale, économique aujourd'hui, toutes ces femmes que j'ai vues comptent dans l'échiquier féminin de la Côte d'Ivoire pour le développement de la Côte d'Ivoire. Elles jouent tous un rôle et c'est un club à CODEM. Et je serai à côté d'elles quand elles auront besoin de moi, à tout moment. Notons que l'étoile à Coben a vu le jour grâce à une femme. Il s'agit de Linda Kabore, actuelle présidente de la région 31. Des retrouvailles, des cris, mais surtout des larmes. C'est l'ambiance que présente la nouvelle production du réalisateur ivoirien Alex Ogou. Niabla retrace l'histoire de deux jeunes sœurs séparées au cours d'un accident. Entre intrigue et mystère, le réalisateur relate les conditions de cette production. Sachez que Niabla, donc, c'est l'histoire de Sia, une jeune franco-ivoirienne qui revient en Côte d'Ivoire retrouver sa sœur Adjoa, qu'elle est pensée être morte depuis des années. Et assez rapidement, malheureusement, Adjoa disparaît, alors que Sia est là et la laisse avec sa petite fille Amelan qui est malade, qui est drépanocytaire. Donc à partir de là, la série va rentrer dans un thriller où on va aller à la recherche d'Adjoa et où Sia va être mêlée dans des histoires pas possibles, de suspense terrible, pour que vous découvriez la nuit abidjanaise dans tout ce qu'elle a de plus retors, dans tout ce qu'elle a de plus palpitant, mais aussi dans tout ce qu'elle a de plus dangereux. L'actrice Christelle Gougoué, qui joue le rôle de Adjoa, l'un des personnages principaux de la série, nous explique comment elle s'est imprégnée de ce rôle. Une série qui parle de la prostitution, le milieu du busy, de la drogue et aussi de la nuit à Abidjan. Voilà. C'est l'histoire d'une, comme le réalisateur l'a dit, l'histoire d'une jeune fille, une franco-ivoirienne qui revient à Abidjan pour retrouver sa sœur et qui se retrouve seule à la rechercher vu que sa sœur a disparu. Donc, il y a assez d'intrigues, assez de rebondissements. Il faut suivre la série Niabla chaque lundi. Rappelons qu'Alex Ogou compte à son actif plusieurs réalisations de films et de séries, notamment la série Invisible dont il est également le réalisateur et qui a connu un plein succès. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cetteinfo.ci.